une nouvelle journée qui commence. Franchement, la chaleur, j'en peux plus. Il fait trop chaud, c'est compliqué. Là, j'étais allé retirer de l'argent. J'étais allé retirer exactement 20 000 qui fait 50 euros. Les hôtels, ils aiment trop l'argent. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que. Ils prennent plus les cartes bleues. Ils veulent que de l'espèce. Ils veulent pas avoir de frais sur. Sur leur TMP ou je sais pas quoi là. Je sais plus comment on appelle ça. Ils disaient, ouais, ils veulent pas avoir de frais sur leur truc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller payer l'hôtel. Ensuite, je vais aller louer un scooter. J'en ai marre de marcher. Je vais faire le tour de la ville en scooter. Je vais voir il y a quoi de beau à voir. Mais franchement, en fait, à Tangale, il fait plus chaud que dans les autres villes, j'ai l'impression. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc là, ça c'est la gare de Tangale où j'étais descendu. Après, j'ai marché tout ça pour aller à l'hôtel. Ils ont pas de glace à l'eau, c'est grave. C'est là que j'ai mangé, c'est là. Ils ont pas de glace à l'eau, c'est grave. Que des glaces au chocolat. Que des trucs qui donnent chaud. Franchement, il fait vraiment trop chaud. La prochaine fois, je réserve 2 nuits. Parce que tout le temps, je prends 3 nuits. Et en fait, c'est trop pour cette ville. Il n'y a rien à faire. J'ai l'impression qu'il n'y a rien à faire. J'ai regardé sur Google qu'est-ce qu'il y avait à faire. Il n'y a rien à faire. À part aller à la plage. Sachant que moi, la plage, ça me saoule vite. 1 heure de plage, c'est bon, j'en ai marre. Donc quand je vais aller à Galles, je vais juste prendre 2 jours. Ouais, juste 2 jours, ça suffit. Et si c'est bien, ben je prolonge. Moi, je me complique la tête à prendre des 3 jours. Quand je suis arrivé, j'étais passé par là-bas. Alors que je peux juste couper par là. Hello, how are you? Good? No, it's good, I'm here. J'en ai marre dans tuk-tuk. J'en ai marre dans tuk-tuk là, il me saoule. Tuk-tuk, laissez-moi tranquille. Franchement, c'est trop la chaleur, je jure, c'est trop. J'avais pas l'impression qu'à Colombo c'était comme ça. À Colombo, il faisait chaud. Mais là, il fait vraiment chaud. Après, je sais pas si c'est parce que dans ma chambre, il y a la clim à fond, donc quand je sors dehors, je sens encore plus la chaleur. Mais même, ça fait 1 heure que je suis dehors, c'est abusé. En plus, j'ai mal mangé encore. Moi, mon problème, c'est que j'aime pas le piment. Je sais qu'ils mangent beaucoup de piment, mais jamais je leur dis sans piment. Ça veut dire qu'ils m'ont amené des assiettes. Franchement, l'assiette était bonne, hein, mais le piment, ça a tout gâché. J'ai pas pu tout finir. C'est dommage. Lézard. C'est là. Et je vais aller prendre un scooter là. Elle m'a dit que ça faisait 1500 roupies. Qui équivaut à, je sais pas, 1,50€, 1€. Puisque je sais que 2000 ça fait. Non, je suis un menteur. Ça fait 2,50€ par là. Parce que 1000 roupies ça fait 2,50€. Donc 3 euros par là, je sais pas. On a plein de restaurants, mais ils sont vides. Hello. France. Yeah. No, I already eat. Ah, dinner tonight. Ok. Ouais, je vais aller là, j'ai trouvé en tout cas à manger. Elle m'a dit ce soir, donc je vais aller voir. Elle m'a dit, je vais aller. En fait, j'ai l'impression que un seul client, pour eux, c'est un truc de ouf. Hein. Je vous jure, je vais lui donner de l'argent là. Il m'a dit 11 100. Je vais retirer 11 100. Ah, maintenant, tout paye. Ah, je paye. Kevin Pasquin. Kevin, I'm going to write it for you.
Facebook, non. Ah, no YouTube. Facebook video, yes. Je pensais que j'allais ressortir immédiatement. Non, 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 non. La chaleur m'a eu. Tout à l'heure, je me suis dit, mais pourquoi il fait autant chaud? J'ai compris, ben oui. J'avais oublié, j'étais dans le sud. Ben oui, dans le sud, il fait toujours plus chaud que dans la capitale. C'est logique. Et comme je ne voulais pas faire grand chose aujourd'hui, je me suis dit. Ah, Mike? Ah, thank you. Je me suis dit, autant aller au coiffeur. Vous voyez mes cheveux là? J'ai des repousses. Là, c'est noir. C'est moche. J'aime pas trop. Donc, je vais aller couper un peu. Juste les contours. Juste les contours. Pour voir s'il coupe bien. Mais j'ai peur qu'il me rate. Donc, je vais juste lui dire fais-moi un dégradé. Rends-moi beau. Déjà que je suis beau. Rends-moi encore plus beau. Donc, on va y aller. Et pas dans un salon touristique, hein. Salon local. De toute façon, vous commencez à comprendre. Hein. Moi, j'exporte le pays localement. Je sais pas si ça se dit, mais ce que je veux vous dire, c'est que je vais que dans les trucs locaux. Après, bien sûr, quand j'en ai vraiment, vraiment marre du local, je vais dans les trucs touristiques. Même si c'est un peu plus cher, mais j'y vais quand même. J'y vais quand même. Le coiffeur, je crois qu'il est. Je sais pas si c'est par là ou par là. Ouais, c'est la prochaine à droite. Donc on va y aller. C'est la prochaine à droite. Hello. Hello, my friend. How are you? J'ai vu le fruit du dragon. Quand vous connaissez pas, vous dites ah ouais, c'est grave bon, c'est grave beau. Surtout beau, mais en fait, c'est pas bon du tout. J'aime pas. Normalement, le coiffeur il est juste. Normalement, il est là. Là. Ah, hello. Hello. Yeah. Haircut? Yeah. Ok, nice. How are you? Yeah, fine. Fine, good. Head massage? Yeah. It's good? Yeah. Ok. It's hot, hein? Yes, very hot, yeah. You're fine? You're going to cut? Yeah, yeah, first come. Is him or me? No, yeah. Ah, me? Okay. Ah ouais, voilà. Vous voyez, je vous dis, c'est vraiment local. Hein. C'est local. Ça, je pense que c'est une pierre, je sais pas c'est quoi. Bon, après, c'est un salon de coiffure, quoi. Rien de très extraordinaire. Mais c'est local, ça change. Faut juste pas qu'il me rate. Mais il a l'air de bien savoir couper. What is your name? Pradeep. Pradeep? Yeah. Okay, nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Your name? Kevin. 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 Yes, nice to meet you. Yeah. You're from? France. That's us. How's cutting? Just here, you know? Yeah. Just here? No here. No, no here. And Abdinyar. Yeah. Voilà. And that. Yeah, yeah, yeah. Thank you. You are the only haircut here? Yeah. Okay. The best one. Yes, the you. Best one. I saw you on Google. Google? Yeah, Google. Yeah, yeah, yeah. I find the haircut and yeah. I saw you, so I come. Oh, yes, yes, yeah, yeah. I have Google. Yes, it's for that. You're looking bad already? Yeah. Google again, no, mama. So how long have you been a haircut? Now I'm 48. 48? 48. 49 is coming. It's May 19th. 19? May 19th. Uh huh. This month. Ah, 19. Okay. 49. Okay, okay. I've been my job is 30 years before. Okay. And is your salon? Salon, yes. Ah, so you are the owner. Yeah. Okay, good. Thank you. Je pensais que c'était fini, en fait c'est pas fini.
j'ai le seum en fait, parce que en fait depuis tout à l'heure j'étais en train de filmer et je pensais que j'enregistrais, mais en fait pas du tout. Donc du coup j'étais allé au marché là, juste là-bas. J'ai acheté des pommes Malacca, vous voyez. Et j'ai pas pu vous montrer. Mais pour le coiffeur, il m'a pris 4700, ce qui fait peut-être 10 euros avec le massage, donc ça va. Mais je pense que c'est pas le vrai prix, encore une fois. Mais bon, c'est pas grave, je vais pas faire la pince, hein. Mais je pense que c'est pas le vrai prix. Mais c'était très très agréable. Sur ce, regardez les enfants jouer, je pense que je vais aller les rejoindre.